La torture a été emportée lorsqu'un découvert a fait ouvert au pays original. Ça doit être sur la Bretagne. Et 73-51 à tous, 14 km, 33-01, Dundee 33, Rémy, sud-ouest de France. Oui, il y a beaucoup de dégâts, mais la tempête, les vents réminables à 170 km/h, c'était assez violent. Voilà, nous pour l'instant, pas de dégâts, beaucoup de monde, si bien là-haut. Tout le temps, toutes les nuits, tous les jours. Il y a 200 mm d'eau, le gazon il est dans l'eau, hein, c'est pas bien grand. Hein. Mais dans la nuit, côté Atlantique, Bordeaux, là, de mon côté, on devrait avoir des vents à 70 à 80 km/h, mais sur l'Atlantique, bassin d'Arcachon, Bordeaux, là, 130 km/h, là, ça risque à faire de la casse, original, ok? Oui, c'est sûr, c'est bon, ça, c'est de la casse. Ça n'a pas de casse. Break. Cette cacophonie. Ah, Bernard, il passe pas au Québec. Par contre, toi, Christian, oui. Là, pour lancer un break, c'est pas évident. La première, ça a été surtout la Bretagne, Vendée, Normandie, tout ça. Voilà, l'ami Stéphane de Bretagne, le petit Breton, si tu connais, Bernard, il y a sa cinquième élément qui a été cassé, puis un hangar, la posture s'est envolée, voilà. Voilà, Bernard. Hein. Bon, mais voilà, on verra cette nuit, là, ça arrive de Tandique, côté bassin d'Arcachon, Bordeaux, là. Moi, je suis allé faire en campagne et on aura du vent de 70 à 80 km. Hein. Je vais être content demain, moi, au travail. Bon, mais les secours, ils sont à métropole, Bernard, à toi. Ah, parfait. Je ne sais pas si je suis avec toi, mais m'écoute. Donc, les bonnes 73 à la station, là, donc, si le matin, donc, bien le bonjour de la Réunion. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas eu le prénom d'opérateur, je le retourne le micro. Oui, moi, c'est Christian, hein, Christian, dans la région de Bordeaux, hein, Christian, Bernard, voilà. Et il y a Gilles sur le Québec, je vais te passer, puis après, Réginald, sur Haïti,
carrément. Break. Ça passe pas. Breco. Le Québec, la Réunion et la Martinique, oui, je crois. Tenerife, ouais, la France, la Belgique, waouh. Haïti, voilà. Non plus, comme je dis, voilà, il va pas t'écouter, Bernard. Tu sais, Bernard. Avec le bras quand il fait. Donc, ça peut sans que ça, bah, les salutations bien respectives à Claude, et bien sûr, à l'ami original, à Saint-Croix, et Saint-Croix, qui est venu nous cajoler des conseils, si je vous dis, bah, je l'entends pas. Voilà, donc, je n'ai pas l'antenne, je vais aller dans sa direction également. Hein. Bah, donc, tu retournes bien les superstifs de ma station. Donc 173, Victorima 001, ou 173, Fouga Delta, en Cap Bernard, depuis le sud de la Réunion. Voilà, question, tu as retourné le micro, il y a eu un break également, je ne sais pas si tu as entendu le break, la question. Oui, merci, retourne le micro, Bernard, voilà, vous avez l'amitié de Bernard, Victorima 001, 173 de la Réunion, en ta direction, l'île du Québec et régional d'Haïti, là. Bon, mais le break, pour l'ensemble du QSO, Christian Micro, 61, retour à toi, le break. Oui, en espérant que ce soit moi, je rentre dans la meute. Hachi, les bonnes 73 à tous, 14 kilomètres, 33 01, Rémi, Dandy 33 sur le département de la Gironde. Comment ça passe? Oui, merci. Bon, c'était des micro-coupures. Hein. Donc, bon, c'était pas bien méchant, mais bon, j'ai dû mettre. J'ai préféré quand même tout mettre à l'arrêt de mon côté. Pour au cas où. Vaut mieux anticiper plutôt que de subir la connerie après, quoi. Puis là, bon, ça s'est calmé, j'ai tout remis en route, et puis voilà, quoi. Retour de micro sur Gilles. Merci beaucoup. T'as, ça passe. Degrés, si j'ai bien vu, pour nous. Allez, on va dire 13 degrés. Et de la flotte, de la flotte, de la flotte. Salut. Salut.
Merci pour le retour de micro. Alors, je t'entends de partout, hein, les 73-51 retournés. Je t'entends au QRA en direct. Je t'entends du côté du Québec-Canada via les web SDR. Ça arrive de partout. Ça passe par tous les trous. Hachi! La propague est vraiment bien là. Et puis, la propague, elle est omnidirectionnelle, hein. Là, c'est un petit clin d'œil par rapport aux antennes verticales, face aux antennes directives. Hachi! Retour de micro sur toi avec les rebonnes 73, en espérant que la météo soit pas trop pourrie là-haut sur la Belgique. Ici, là, pour nous sur le sud-ouest de France, bien bon, il y a une tempête qui arrive, hein. Elle sera moins forte que la précédente apparemment. Bon, ici, moi, du côté de Saint-Émilion par là, bon, il y a pas vraiment de vent, c'est surtout de la pluie, hein, qu'il y a là. De la pluie, et je suis très content. Demain, je risque pas d'avoir trop chaud quand je vais aller au travail. Oui, j'étais appelé pour aller travailler demain. Bon, ça c'est fait. Mais j'ai intérêt à prendre le parapluie avec moi, c'est sûr. Retour à toi. Ah, carrément. J'aimerais bien en dire autant à niveau report. Ça, c'est Tenerife. De ce côté-là. Oui. Ah, ça remonte. J'allais dire comme dit Gilles, il est tombé de sa chaise. Ah oui, il est carrément... J'ai dit sur la Belgique, mais ouais, enfin bon. Là, c'est dans des cas comme ça qu'on voit l'intérêt d'une antenne verticale omnidirectionnelle face aux antennes directives. Là, on entend tout azimut. Et c'est très propre. Par contre, c'est QRP. Bon, puisque c'est QRP, je vais en profiter. Alors, côté aérien, eh bien, on va dire que le système idéal, ce serait de coupler une antenne verticale et une antenne directive. Oui. Arriver à coupler les deux et redescendre bien sûr en 52 ohms dans le poste pour pas qu'il y ait de problème. Ce qui permet d'entendre de partout tout en ayant l'avantage de la direction qu'on aura choisie sur la directive. Ouais, c'est une idée à creuser ça, les deux couplets. Sur la 103, là.
J'arrive pas le... Oui, ok, ben les bêtes sont 13-51, toi Réginal, 14 km, 33-01 Rémi, ben c'est très très QRP de mon côté, puisque effectivement je t'entendais dans le fond de la boîte, comme dit Gilles, j'ai eu l'impression que t'étais tombé de la chaise, tellement que c'était QRP de mon côté, et du coup là, moi ici, j'avais pas compris que tu m'avais repassé le micro, tellement que je te reçois QRP, hein. Donc, désolé de ne pas avoir réagi plus tôt. Les 73 retournés, 14 km 33-01, en espérant que ce soit un peu plus cuiro de ton côté pour m'écouter. Oula. De mon côté, j'ai pas tout compris, mais de mon côté, c'est un signal qui navigue entre 1 et 3. C'est vraiment, vraiment très bas. Hein. Et la radio, ben, la radio entre, ouais, autour de 2, 3, quoi, radio 3, 3 maximum de mon côté. C'est vraiment, vraiment QRP. Hein. J'ai entendu que vous aviez repassé le micro. Je suppose que c'est à moi, donc en espérant de se moduler personne. Sinon, je fais un retour de micro sur Christian, qui lui, visiblement, il entend tout le monde. Ok, d'accord. Et bien là, je suis sur un Yazu FT450AT, donc un petit décamétrique, hein, le Yazu FT450AT. Et au niveau antenne, je suis sur une Sigma Mantova 8 qui est perchée à 9 mètres du sol, donc pas très haute. Mais visiblement, de ce côté-ci, là, j'ai du mal aujourd'hui à copier. Hein. C'est la propague. Tout à l'heure, avant que je prenne le micro, ça passait nettement mieux, ça passait bien même. Ça passait très bien, c'était super cuiro. Et là, ça a baissé là, de votre côté, là. Enfin, en ce qui me concerne. Bon, Bernard, on va passer du côté de la Réunion, là, Bernard. Bernard, est-ce que tu écoutes tout ce bon monde là, sur la propagation, cette amélioration pour écouter tout le monde là, peut-être que tu entends rien, là, qui est voisin de mon côté. Ok, Bernard, toi, ça le voit pas là. Ah, ok, merci de retourner au Christian. Alors, de mon côté, j'entends pas grand monde, là, parti. Ah, quand même. Ok, QSL, malgré la surmodulation qu'il y a. QSL, alors pour mon indicatif, c'est 14 kilomac 0133. Alors 14 kilomac, non c'est l'inverse. Hachi, voilà que je me trompe, n'importe quoi. C'est 14 kilomac 3301. Voilà, 14 kilomac 3301. Voilà, opérateur Rémi, Romeo Echo Mike Yankee. Ou pour faire plus simple, QRSL local Dandy 33. En espérant que c'est moi là-bas, j'espère que la papa ne va pas causer des dégâts de ton côté, la Réunion.
Oh ben moi là je suis du côté de Saint-Émilion, de ce côté-là. Je suis à quoi? Je suis à les 110 km de l'océan. Donc j'ai quasiment pas de vent moi ici là sur le QTH. J'ai de la pluie, oui, ça, pour être arrosé, c'est arrosé. Et Saint-Émilion, le vin, là, il est bien arrosé avec un hachis. J'ai entendu un autre appel en même temps, là, derrière. Il y a beaucoup de monde, là, sur la fréquence. Donc, je sais pas sur qui retourner le micro. Ah, ben, si, sur le grand maître du 27 mégas. Oh, grand maître, à toi le micro, Gilles. Alors l'alerte vigilance, c'est pour 18h là aujourd'hui. Bon, le temps que je publie la vidéo, ce sera déjà en cours ou passé. Ou oui. Hop là, j'ai entendu quelqu'un derrière. Non, il n'en faut qu'un. Allez, le maître de cérémonie. Ok, Bernard sur la Réunion, les bottes 73 à vous, le 14 km 33 01 Rémi, le département de la Gironde à côté de Saint-Émilion. Waouh, 57. Ah, c'est monté à 57 de mon côté. Là, vous voyez, là, c'est maintenant que la propag se décide. Ok, retour de micro sur Gilles. Thank you.
Écoutez les mecs, écoutez. Ça fait cacophonie. Non, cacophonie. Même chose. Mais le premier est plus propre. Putain, on voit les traces sur les deux mauvaises dires. On va dire que j'ai une préférence pour WikiSDR par rapport aux autres systèmes. Il y a plus de réglages. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de réglages. Et on voit mieux le spectre. Yeah.
enregistrer le break. En avant les breaks. Je ne tape pas. Ça va tourner. Oh, ça baisse. C'est ça. Yeah.
Oh, ça remonte. Gilles voulut couper le micro, qu'on l'entend encore. Vous coupez le micro, vous coupez le poste, vous coupez l'antenne. Il passe encore. Ah, je laisse le maître des ondes du 27 mégas, le dieu en personne de la propagation parler. Ah, chi. Non, mais je veux pas monopoliser non plus le micro. C'est qu'il y a du monde sur la fréquence. Je te retourne le micro, Gilles, pour faire rentrer d'autres stations. Bon, de toute façon, nous déjà, là, on se parle tous les jours, autrement. Ah, mais c'est ce soir qui change d'heure. Je crois que c'est 20-25 mètres qu'il est calé son antenne. Ouais, je crois. Je sais plus, mais je crois que c'est autour de ça, une vingtaine de mètres. Je me souviens plus. Et au fait, Gilles, ok, c'est très QRP de mon côté. Merci pour le retour de micro. Justement, j'avais un truc à rappeler là à Gilles. Gilles,
Ouais, là j'entends que ça passe de ton côté. Et oublie pas, c'est ce soir le changement d'heure, hein, si je me trompe pas de ton côté, Gilles. Donc là, aujourd'hui, on est encore avec 7 heures de décalage entre la 9 et la 14. Demain, on revient à nouveau à 6 heures de décalage entre la 9 et la 14. Hein. Donc là, c'est bien ça, c'est bien ce soir, Gilles. C'est bien cette nuit, Gilles. Si. Eh bien justement, c'est là que tu vas dormir une heure de plus. À 3 heures du matin, il sera 2 heures. Donc, tu gagnes une heure de sommeil en plus. Mais te connaissant, tu vas être une heure plutôt en fréquence. Hachi. Alors tout à l'heure on avait la réunion, on avait la Martinique je crois, je sais plus où on en est là de ce côté-ci, bon la frontière belge, d'accord, je sais plus trop où on en est là au niveau des stations, quelqu'un est parti, ah oui c'est la réunion qui est partie là tout à l'heure, oui je crois que c'est ça, Christian je crois qu'il est passé en QRT, oui il nous l'a dit aussi tout à l'heure. Mais il reste qui en gros là, Gilles? Toi qui tiens la liste, je tiens aucune liste moi de mon côté, je suis un gros feignant. Ok. Oui Gilles, ok, je suis là. Oui, désolé, le temps de tout remettre en route, ça m'a pris un petit peu de temps. Eh oui, oui, oui. Je t'ai mis sur Messenger celui à qui je pense. Ouais, mais pas de suite, parce que c'est, je l'ai écrit, hein, donc ça risque de passer dans la vidéo. Oui, 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 il y a du monde de partout, là, ça y va plein pot, hein, putain la vache. Et oui, c'est des frustrés, ça, c'est des frustrés, voilà, bref. C'est pas grave, gardons le principal, le fait qu'on s'amuse bien, qu'on se fasse plaisir, qu'on papote, qu'on refasse le monde, qu'on s'éclate. Ouais, mais bon, on va pas se plaindre non plus, hein. Il y a pire que nous, hein, niveau conditions, on est quand même pas malheureux, hein. Si on a quelque chose à se plaindre, c'est des cons, ça, c'est sûr. Et en plus, on sait même pas comment ils arrivent à se reproduire entre eux, ils sont tellement cons qu'ils y arrivent. Mais pour le reste, bon, on n'a pas à se plaindre, hein. Ah oui, tu m'étonnes. Des parasites de la société, oui, c'est sûr, oui. Les autres stations n'ont pas suivi, il n'y a que tous les deux, je comprends pas. Ah oui, à propos de parasites, la porteuse là que j'ai eue là, de mon côté, là, à 9+10, il y avait des watts hein, derrière, hein, puisque je l'entendais même là, sur les web SDR, hein, là, de ton côté, là, Ottawa-Montréal. Ça passait dedans aussi. Hein. Oui, j'ai regardé, moi, c'était une fréquence à
Ah d'accord, alors que moi 9 plus 10, hein. Ouais, 9 plus 10 moi ici. Moi. Et les autres stations, ils n'ont pas suivi ici sur le 27600? Ah. Ah la vache. Et depuis ce matin, là, tu vois, depuis que j'ai commencé à 8h30 avec le petit volant, et puis on voyait que c'était pas comme d'habitude, hein, c'était pas comme d'habitude sur les ondes, et puis le chrétien arrive toujours ici comme une tonne de riz. Et puis ce matin, en rendez-vous, c'était ça variait beaucoup, là. Ok, je suis monté là une seconde là sur le 625 pour voir. La porteuse y est toujours, hein. Bah tu m'étonnes. Tant qu'il se rend en porteuse, il se rendra pas compte qu'on a fait QSY à Chig. Bon, en tout cas, oui, tu passes bien de mon côté, hein. Tu pourras le voir dans la vidéo, là, c'est ça passe bien. Au fait, au niveau vidéo, c'est vrai que j'avais dit que je me limiterai un peu aussi. Je crois que ça va être raté encore pour aujourd'hui. Ah, je suis trois coups. Pendant que j'y pense, demain je travaille en journée. Hein. Je devais être en repos là demain. Je bosserai. Pour le coup, je vais bosser toute la journée. Donc, si tout n'est pas envoyé à temps aujourd'hui, je pourrai m'occuper des vidéos que demain soir ou après-demain. Quoique, oui. Ouais, bon, on fera avec, de toute façon, c'est pas le problème. Mais le principal, c'est que tu n'oublies pas de tout envoyer, Gilles. Je sais ce que tu vas me dire, hachi de coup. Mais surtout, n'oublie pas de tout envoyer, ouais. Et ouais, je sais bien. Ok, d'accord, ça marche. Et dans la blagounette, sinon je te laisse faire les montages vidéo, gérer tout ça, les mettre sur YouTube et tout ça. Là, pour le coup, plus personne ne va t'entendre en fréquence. Ah, tu m'étonnes, hey, on n'est pas multitâche, hein. Quand on est en train de faire un truc, eh bien, on fait pas autre chose, hein. Donc si pour le coup là tu fais tous tes montages vidéo toi-même, c'est sûr que là tu vas plus trouver le temps de d'être au micro. Ah, il y a un break derrière, j'ai rien compris, je te le laisse, Gilles. C'était pas en français. Oh, ce micro. Ça sent le micro de studio. On dirait de la Hi-Fi SSB. Cédric, ouais. Les conditions aujourd'hui sur la région, c'est tout derrière, la dernière fois, il y a tout.
Il faut que je lui parle de son DSP. Il rentre trop fort dedans. Moi, j'ai que le voyant vert jaune qui clignote. J'essaie de... Oui. Le réglage du bouton du haut, moi il est à 11h. Là, il travaille comme il faut, là, le DSP. Ok, merci du retour du micro. Les 73 Eric de Rémi, Roméo et Comac Yankee. Indicatif 14 km 3301 sur le sud-ouest France, département de la Gironde, QRZ local d'Andy 33. Il est sur directive. Il se barre en fréquence. Non, c'est pas 160. J'ai un doute. C'est peut-être département 60. Il s'est décalé un peu en fréquence. Thank you.
Ok, les 73 retournés à la station qui m'entend pas, 14 km 33 01. Gilles, j'ai une question à te poser à propos du filtre DSP. Ok, les 73 retournés à la station qui m'entend pas, dommage, de 14 km 33 01 Rémi. Hier on a parlé du filtre DSP. Là tu hier ou avant-hier, je sais plus, là tu m'as dit que bon bref. Mais par contre, j'ai remarqué un truc dans tes vidéos. À chaque fois que tu es en écoute comme là de suite à la seconde même, je vois le voyant là du bouton input level qui est très souvent dans le rouge. Si tu regardes dans mes vidéos, enfin sur celles que je suis en train de faire là en ce moment plutôt, au moment là précis là, le voyant rouge, moi il s'allume jamais. Hein. J'ai juste le vert qui est allumé et puis c'est tout. Hein. Donc à mon avis, tu dois trop pousser le bouton input level. Alors pour te donner une indication, moi de mon côté, le input level est réglé à 11h. Donc si ça peut te donner une indication de ton côté pour comparer par rapport à toi. Mais si ça se trouve, c'est peut-être pour ça que tu as des soucis d'écoute par moment, que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien, des trucs comme ça. C'est peut-être parce que justement ce bouton-là, input level, tu le pousses trop peut-être. Parce que moi ici, là sur le QTH, sur le QRA, quasiment jamais le voyant rouge de ce bouton s'allume. Hein. Si ce voyant rouge s'allume, ça veut dire que le filtre est en saturation. Et pour ma part, moi, là, c'est toujours le vert hein, qui est allumé. Tiens, on voit bien, là. Non, mais ça, c'est normal. Oui, non, mais quand tu parles, c'est normal. T'es en émission. Hachi, t'es en émission. Mais là, à la seconde même, là, voilà, touche le bouton input level. Ramène-le davantage vers la gauche, c'est-à-dire, je sais pas, 11h, 10h, quelque part par là. Voilà, là, de façon, est-ce que le voyant rouge ne s'allume plus et joue uniquement avec le bouton du volume du poste. Voilà, si t'as besoin, si t'entends pas assez bien. Voilà, c'est là pour moi. Alors là pour moi, tu rentres trop fort quand tu es en écoute, comme là de suite avec moi. Alors en ce moment, tu rentres trop fort dedans. Et ce qui fait, tu as constamment le voyant rouge d'allumé. Si le voyant rouge d'allumé, ça veut dire que t'es en saturation et tu dois avoir que le vert ou tu peux avoir quelques petits trucs de rouge qui va s'allumer. Ça peut clignoter un petit peu par moment. Bon, d'accord. Ce qui te mettrait, on va dire, la limite de saturation. Mais toi, tu es carrément en rouge constant. Et ça, c'est pas bon. Là, tu satures. Donc là, ce bouton input level, il faudrait que tu le tournes, voilà, vers la gauche, et que tu remontes le volume du poste, voilà, de façon à équilibrer et que tu sois plus en saturation là dans le filtre. Bon là, je pense que tu as dû faire les tests. Je verrai ça sur tes vidéos. Là, tu as dû faire les tests un petit peu pour voir ce que ça donne. Vas-y, retour du micro. Voilà, toi Gilles. Ah. Toi, pourtant, tu passes fort. Hein.
si on l'entend derrière. Ok, bon, je suis en train de te faire là, vite fait à l'arrache comme ça, en plus de la vidéo que je suis en train de filmer. Hein. J'ai attrapé mon téléphone, je suis en train de te faire une petite vidéo que je vais t'envoyer là de suite là sur Messenger, que tu pourras écouter plus tard quand tu auras fini d'être à la CBI. Et là tu verras mon filtre en émission, évidemment, c'est normal qu'en émission le voyant rouge ne s'allume pas puisqu'on est en émission. Mais dès que je vais relâcher les micros, c'est-à-dire là de suite, tu vas voir dans la petite vidéo que je suis en train de faire avec mon téléphone que le voyant rouge ne s'allume jamais. Il y a du monde derrière. Ouais, il y a du monde derrière. Eh merde, j'ai pas plus de micro en plus. Ouais, il y a des breaks de partout, Gilles. Vas-y, vas-y. Elle est où ? Ok, ouais, j'ai entendu des breaks là, j'ai entendu plusieurs breaks. Alors je laisse le maître de cérémonie accueillir les gens, accueillir les OM. Voilà, comme ça là, je t'envoie ça de suite sur Messenger et plus tard tu pourras regarder ma vidéo et voir là ce que ça donne. Ok, bon, de toute façon, j'ai d'autres trucs de prévu, moi, là, cet après-midi. Il est déjà 15h15, 15h20, là, ici, sur le QTH. Donc, j'ai carrément passé en QRT. Hein. Donc, je vais t'envoyer les bottes 73-51, Gilles. Bonne journée à toi, bon QSO à venir, ici ou ailleurs. Et à plus tard. Ça marche, tout ça retourné. À plus tard, Gilles. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wow, ça marche bien. Ça marche bien. Ah ben, il n'y a plus personne. Les 73-51 de la planète CB francophone.